Des époux. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Donc, les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune. Chacun des époux conserve en mariage son nom. Il exerce ses droits civils sous ses noms. Ensemble, les époux assure la direction morale et matérielle de la famille. Il s'exerce l'autorité parentale et on assume les tâches qui en découlent. Jusqu'à là, vous me suivez? Donc, les époux choisissent de conserver la résidence familiale. En l'absence d'un choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils s'exercent aux activités principales. Et les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Finalement, chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. C'est ce que la loi prévoit. Voulez-vous prendre Ye Tian, qui est ici présente, pour votre épouse? Oui. Mademoiselle Ye Tian, voulez-vous prendre Monsieur Dominique Biron, qui est ici présent, pour votre époux? Oui. Donc, nous allons procéder à l'échange des alliances. La personne qui a les alliances, elle peut s'approcher. Vous pouvez déposer vos fleurs. Qui me sont conférés par la loi, je vous déclare, vous, Dominique Biron, et vous, Ye Tian, maintenant unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Bravo. Yeah.
et j'ai besoin d'un deuxième. Numéro 38 aussi. Voilà. Parfait, restez assis. Donc j'appelle les témoins, monsieur Mohamed et madame. Je regarde en train de signer tout ça. L'autre côté. Parfait, si j'ai besoin juste de la signature. Okay. Numéro 39, s'il vous plaît. C'est bon? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous remercie. Très important ce que je vais vous dire. Il faut retenir de tout ce que je vais vous dire qu'il faut attendre 30 jours après aujourd'hui. Donc, on parle du 8 septembre, pas avant. Pourquoi vous envoyez ce document-là? Parce que c'est la seule preuve que vous allez avoir de votre mariage. Il est officiel à compter d'aujourd'hui, il n'y a aucun problème. C'est que le directeur de l'état civil prend 30 jours pour faire l'enregistrement du mariage. Après ça, si vous êtes familier, il faut commander comme si vous commandiez un certificat de naissance. Okay. Mais c'est un certificat de mariage. Donc, ça c'est votre copie. Maintenant, on vous adjoint l'information, comment les contacter. En personne, par téléphone, par internet ou par la poste. Okay. Il y a une façon de le faire très simple par internet. Vous n'avez pas besoin d'envoyer quoi que ce soit, mais vous devez payer, faire les frais, tout est là. Mm. Ce qui était très important à retenir, c'est les 30 jours après aujourd'hui. Okay. Donc, si vous l'envoyez avant, ils vont vous retourner les trucs, ils vont dire qu'ils ne vous trouvent pas et c'est normal. Mm. Parce qu'ils sont en train de l'enregistrer. Donc, pas l'envoyer avant, vous pouvez demander comment ça fonctionne avant, mais pas l'envoyer. Okay. Après le 8 septembre, ça devrait être parfait. Donc, en mon nom personnel et en nom de la cour, félicitations. Mm-hmm. Nous vous souhaitons des bonheurs. Oui. Donc, ça, c'est à vous. Oui. Et je sais que vous savez la salle. On a 5 minutes. Si vous voulez prendre des photos, les photographes veulent prendre, là, c'est vraiment votre temps. Merci. Félicitations et bonne célébration. Merci. Bravo. OK, ready? Okay. One more. Valentine et Dominique, je suis vraiment très contente que vous soyez ensemble. Puis mon mari se joint à moi pour vous souhaiter vraiment beaucoup de bonheur, puis de beaux enfants. Oh. Oh, de beaux enfants! Claire, alors, d'avoir des enfants qui ont un air chinois. Alors, je vous félicite, puis on est fiers. Je vous embrasse aussi. Oui. Bravo. Félicitations, merci. Valentine. Je suis très contente que tu sois dans notre famille. Dominique, Valentine, félicitations. Je pense que je suis l'un des premiers à vous avoir connu tous les deux quand vous commenciez à sortir ensemble. J'ai toujours eu l'intuition que vous allez terminer ensemble, former vraiment une vraie team, une bonne équipe. Puis vous voir ici aujourd'hui ne m'étonne vraiment pas du tout. C'est même pas une surprise. Alors encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Voilà, beaucoup d'amour, plein de bons souvenirs ensemble. Je suis tellement contente d'être ici avec toi. Félicitations. Merci beaucoup, Maya. It's a beautiful night. We're looking for something.